Le dialogue État-secteur privé se digitalise également pour une meilleure interaction dans les échanges. Depuis ce 2 avril, les acteurs de la direction régionale du commerce se sont familiarisés à l'utilisation de la plateforme digitale et ses innovations. Sa présentation avec Hamzat Ganamé et Ali Traoré. Ils sont tous des acteurs du secteur privé. À l'initiative du ministère en charge du commerce, il s'informe sur l'utilisation de la plateforme digitale de dialogue public-privé et les innovations du dispositif du dialogue public-privé. Des connaissances qui, une fois acquises, devraient permettre à ses participants de prendre part activement aux différents rendez-vous de l'État et du secteur privé. Le gouvernement de Burkina Faso a coutume d'organiser ce qu'on a appelé la rencontre État-secteur privé. Et à l'issue de quelques années d'expérimentation de cette forme de rencontre, il a été convenu de faire des évaluations pour voir s'il y a des besoins d'innovation. Et pour renforcer justement ce cadre du dialogue État-secteur privé, il a été donc arrêté le principe donc pour favoriser les échanges. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place une plateforme digitale. Et c'est cet outil qui est expliqué à ses participants. Au cours de ces 3 jours, nous allons outiller les acteurs du privé sur la plateforme digitale, notamment le processus d'utilisation à travers des essais à la pratique pour pouvoir un peu expliquer comment poser par exemple sa préoccupation sur cette plateforme digitale, comment suivre la mise en œuvre des recommandations à la issue de ses préoccupations et comment également s'inscrire pour participer aux activités du CODESP. Cette rencontre se tient simultanément dans les 13 régions du Burkina Faso. Pour ce qui est des hauts bassins, 3 groupes d'une 20aine de participants vont bénéficier de la formation.